Et donc yo tout le monde, c'est Skies. On se retrouve sur mon bureau pas pour la première fois. Ça va pas être pour un épisode des mini tutos. Ça va plutôt être pour une astuce 100% safe qui va vous permettre d'augmenter dans King of the Hill votre argent et votre niveau. Donc c'est sur Arma 3, ça marche sur tous les serveurs. Donc il n'y a aucun risque de ban, à part à une seule condition, c'est que vous mettiez un niveau par exemple de 5000 au lieu du niveau max qui est 85. Donc tout simplement, vous allez télécharger le fichier qu'il y aura dans la description. Ça sera swag.stratis, ben, je vais le faire en même temps que vous, je vais vous montrer. Donc vous allez aller dans Windows, non pas Windows, Documents, Arma 3 Over Profile, le profil que vous voulez augmenter, MP Mission, et vous le placez dedans. Alors, vous allez dans yolo.sqf, et là, vous aurez le player UID. Donc ça, vous l'enlevez, c'est pas le vôtre, c'est le mien. Donc ici, vous pouvez choisir votre level. Donc moi je suis actuellement level 6 avec 1 million. Je vais me mettre level 7 avec un nombre un peu plus rond, un peu moins rond justement. Voilà. Après le reste, on touche plus. Et on enregistre. Donc maintenant, vous allez devoir lancer votre arme à 3. Donc je vais mettre ça en pause et je vais record sur arme à 3. Donc les gars, nous voilà in-game. On va aller dans configurer. Profil, le profil où vous avez sauvegardé votre votre sauvegarde justement du jeu, vous allez dans ID joueur, donc vous le récupérez, vous le copiez-collez, donc CTRL C pour le copier. Donc je vais reprendre in-game. Donc voilà les gens, on a notre yolo.sqf, maintenant qu'on a notre player ID, on va le coller, donc CTRL V ou clic droit coller. Donc allez, on retourne in game. Donc si vous avez un si vous avez un arma qui est long à lancer, excusez-moi, c'est la seule condition. Ou alors vous faites comme moi, vous le gardez en fenêtré, ou enfin vous le gardez, vous faites alt-tab pour retourner dessus. Donc nous voilà in game. Maintenant qu'on a sauvegardé notre fichier, nous allons dans multijoueur, nouveau, bien nouveau. Vous laissez en LAN. Vous allez sur Stratis, swag.stratis, et là vous faites relancer. Donc vous mettez en fusillé chef de groupe. Donc une fois in game, excusez-moi, une fois in game, donc vous allez voir, vous êtes sur Stratis avec un stuff normal. Ça on en a rien à foutre, ça c'est pas important du tout. Donc aussi ça vous permettra d'explorer Stratis mais à pied, mais bon, elle est pas très utile. Autant prendre un sandbox Stratis exploration. Donc vous allez appuyer sur la touche 0 du clavier, donc ça sera affiché. Il y aura un clavier à l'écran et ça sera marqué. Donc 1, 0, 0, puis 1. Et si en haut à droite, vous voyez updated profil, ça sera bon. Donc maintenant vous n'avez plus qu'à enregistrer et quitter. Aller sur un serveur multijoueur. Je vais sur celui-là. En plus, c'est un FR. Donc, je me suis mis niveau 8. Avec un argent un petit peu au pif. Allez, excusez-moi, c'est pas une super bonne connexion et niveau PC ça peut aller encore. Fait froid. Et donc voilà, me voilà niveau 7. Avec un argent totalement wow. Excusez-moi.
Donc change d'apparence. Là, mon commande niveau 7, ça change pas grand chose. Je change perks. On peut unlock les slots. Bon, moi je vais prendre indéfatigable. Et c'est tout parce que celui que je voulais, ben non, je prends aussi une sorte. Voilà. Hop, et là on va pouvoir du coup choisir l'arme qu'on veut. Donc après, voilà, ce que je vous conseille de faire, c'est de tout vous acheter. Voilà. Non, moi je vais acheter celle-là. Et puis je vais prendre la RCO. Donc je vais prendre un flingue, bah, comme ça on peut en profiter. Donc voilà, maintenant j'ai une arme plutôt bien. Donc ça vous permettra, pour ceux qui veulent sniper et qui le peuvent pas directement, ça vous permettra de prendre un stuff sniper par exemple. Et puis d'aller vous faire plaisir quoi. Après au niveau des véhicules, comme on est sur un infanterie, il n'y a pas tout. Mais bon, ça c'est pas important encore. Bon, bah du coup voilà les gars, c'est bon. Je vais vous laisser là pour ce tuto. J'espère que ça vous aura plu. Si ce genre de choses vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'en ferai plus. J'essaierai d'en trouver pour d'autres jeux, pour d'autres modes, etc. Bon allez, ciao les gars.